La Légion étrangère, à présent un corps d'élite de l'armée française, et cette année la remise du képi blanc qui marque l'entrée des soldats dans leur unité a eu lieu sur le chemin des Dames dans l'Aisne. C'est là que le général Nivelle tenta de briser le front allemand à la fin de la Première Guerre mondiale. Éric Henry et Rémi Vive. La Légion étrangère n'a pas connu les affres de l'offensive Nivelle, mais elle s'est illustrée sur le chemin des Dames, notamment en 1918. Pour un légionnaire, c'est important de souvenir ce qu'ont fait leurs anciens pour aujourd'hui continuer à servir sur les traces, sur leurs traces. Ça fait partie de l'esprit de corps ? L'esprit de corps, l'esprit de cohésion, oui, tout à fait. Le respect des anciens, ces 27 futurs légionnaires sont venus le puiser dans la caverne du dragon. C'est très important pour l'historique française. L'histoire française, c'est, pour moi, c'est un privilège. Pour moi, c'est tout. Pourquoi c'est un privilège pour vous? Je suis brésilien, et c'est l'autre nationalité, c'est l'autre tradition. Moment de souvenir au cimetière de Cranel. Derrière chaque tombe de légionnaire, un futur légionnaire. Dans quelques heures, ces hommes vont rejoindre la Légion, mais la tradition veut que l'on ne demande jamais à un légionnaire pourquoi il s'engage. Ça se fait pas parce que ça le regarde. Ça le regarde, c'est son affaire. Nous, on l'a engagé. Tout ce qu'on lui demande, c'est de servir avec honneur et fidélité et de respecter les promesses qu'il a faites à son engagement. 27 nouveaux légionnaires de 14 nationalités différentes, symbole de l'entrée dans ce corps d'élite, le képi blanc. Coiffez vos képis blancs ! Légion Patria Nostra ! Légio Patria Nostra, la Légion, c'est notre patrie. Venus d'Europe centrale, d'Afrique ou d'ailleurs, ces hommes vont servir la Légion pendant au moins 5 ans. Une grande fierté et un soulagement de pouvoir rentrer dans la Légion étrangère. Parce que j'en rêvais. Point d'honneur de la cérémonie, le code d'honneur du légionnaire. Pour le respect, les ennemis vaincus, tout n'abandon jamais, ni des morts, ni des blessés, ni des armes. La Légion étrangère a été fondée en 1831. Elle regroupe aujourd'hui encore près de 8000 hommes.